En plein quartier du Mirail, les footeuses de M, c'est leur nom, se retrouvent chaque samedi matin pour leur entraînement autour d'une seule passion, le foot. Allez, 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 allez. La force du collectif, la bonne humeur. Ces femmes de toutes origines, de tout genre, de confession musulmane ou pas, jouent sans préjugés et sans complexe. Et du coup, quand je suis arrivée ici, ben, direct, voilà, tout le monde te parle, te reconnaît. Il y a un esprit d'équipe, d'ouverture. C'est facile, hyper facile en fait. On est de suite, il y a de suite un feeling avec les gens et ça donne envie de revenir et de continuer, quoi. Et du coup, je m'y sens trop bien. L'équipe existe depuis 4 ans. Après avoir erré de terrain en terrain, ces filles ont enfin pu obtenir un créneau pour s'entraîner sur un vrai stade. On n'a jamais trouvé notre place en fait, pour être accueillis quelque part sur un terrain sans être virés, etc. On en a discuté avec des clubs, on nous proposait des créneaux qui n'allaient pas du tout sur des terrains impraticables. Il y avait pas mal d'obstacles qui nous ont empêchés en fait, de pouvoir s'entraîner. Et ici, du coup, à la STM, Toulouse Mirail, on a été super bien accueillis par le club. Soit avec le pied. L'AS Toulouse Mirail leur a fourni le matériel et les maillots. Et les filles ont payé leur licence à prix coûtant, 30 euros seulement. Voilà, un joli coup de pouce pour l'équipe féminine qui veut continuer à véhiculer les valeurs du foot sur ce terrain. Super, et Katia? Tout le monde se retrouve, des femmes particulièrement, pour jouer au foot, pour s'amuser, pour faire du sport, pour faire de nouvelles connaissances aussi, parce que ça nous sort un peu de notre train-train professionnel, surtout en période de crise, là, en ce moment, qu'on ne voit plus beaucoup de monde. Et voilà, c'est passion du foot d'abord. Les footeuses de M comptent aujourd'hui 40 joueuses. Certaines ont envie de se lancer dans la compétition, l'an prochain peut-être, dans le championnat loisirs amateurs.